Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit replay commenté d'un match de Blood Bowl 2 avec notre équipe de Bretonniens, les champions de couronne. Et en ce jour nous nous affrontons pour la quatrième et dernière journée de poule en division 2 dans la ligue de Sir Maness, la Majestic League 3, les Skaven de Storm Raider, donc une équipe qui est assez dangereux sur le plan offensif, hein. Déjà quand vous voyez 4 coureurs d'égout chez Skaven, vous avez du souci à vous faire, hein. Surtout avec du 9 de mouvement, de la J4, hein. Malgré une faible armure. Donc voilà, 4 coureurs d'égout, il avait 2 vermines de choc, il y en avait une absente pour ce match, et le reste c'est du 3K pur et dur, quoi. Voilà, donc je sais plus si je vous avais montré les niveaux, les compétences. Donc il a un coureur plus 1 de force, il a une vermine de choc, un autre coureur blodge, enfin esquive, bloc, glissade contrôlée, donc esquive là de base. Et un autre et deux autres coureurs bloc esquive de base, voilà. Et la seule autre niveau qu'il a, c'est sa vermine avec châtaigne qui fait pas mal de dégâts. De notre côté, on récupère l'ami Krug qui était blessé au dernier match. Donc lutte châtaigne, on a notre blitzer Chilfrod d'Artois, agilité 4 et esquive. Boymond Bastion qui avait pris chef au dernier match, et je crois qu'on avait aussi un autre paysan qui avait pris un niveau, je sais plus si c'était Storm ou Madness, mais il me semble que c'était Storm. Alors j'avais eu le coup le toss, finalement je me dis que je vais lui donner, comme il joue Skaven, il joue assez vite. Et alors sur l'ensemble des joueurs, on a déjà 5 joueurs de notre côté qui sont tombés, donc on va devoir défendre à 6 pour ce tour, et de ce côté il en a que 2. Et il va commencer à vouloir taper mon Blitzer Star, hein, ce qui est logique, hein. Agilité 4 esquive, mais bon, heureusement pour nous il n'a pas tacle. Et notre Chilfrod d'Artois tient bon. Donc là il va commencer à ramasser le ballon avec un de ses coureurs d'égout en arrière, il va faire la petite transmission. Donc il va essayer de prendre rapidement l'avantage, hein, ce qui est logique en soi. Hein. Donc là il a de la chance que mon tacleur soit sonné, parce que s'il passait dans le coin, ça aurait été compliqué. Et là, il relance, il craque sa première lance. Et là au début je me suis dit, ah merde, c'est Sid Jérôme qui est à terre. Et finalement, il emporte avec lui un 3 quarts Skaven, ce qui fait toujours plaisir. Et notre CG tient bon avec son crâne épais. Hein. Donc là je me dis, turnover, tout va bien. Donc je pense qu'il aurait dû finir sa carte Storm. Donc Storm Raider qui est pour moi un très bon joueur. Hein. Je l'ai joué contre lui chez Crook Gaming il y a 2 ou 3 saisons de mémoire. Il jouait au Elf à l'époque, moi je jouais KO, il avait gagné 2-1. Mais franchement c'est un bon joueur, je vous le recommande, quoi. Franchement très sympa et tout, on avait discuté un petit peu après le match, vraiment cool. Donc là je commence à encercler son coureur d'égout, mon but c'est de lui faire un 3D. Pour essayer de le faire tomber, même si j'ai le bloc avec la lutte. Mais moi je le prends quand même, je me dis lutte c'est toujours ça de prix. Et là le coureur, bah, il y a au moins une zone de tac dans le talent. Et là je me codis, je vais esquiver, j'ai 2 plus et j'ai agilité 4 et esquive. Je tente un ramassage, malheureusement ça foire. Mais bon, je me dis que d'un autre côté il y a au moins 2 zones de tacle et je préfère que la balle soit par là, à ce moment du match. Donc là on doit défendre avec 1, 2, 3, 4, 5. On doit défendre avec 5 joueurs de bois actuels. Hein. Donc là il commence un peu de la CC Skaven pour me faire annuler support, ce genre de choses. Donc là par exemple il va avoir un 2D avec sa châtaigne sur nous. Malheureusement pour lui, la châtaigne ne touche pas et c'est tant mieux. Cette fois CG va se prendre un coup, mais il tient toujours bon. Après sa brillante chute et sa blessure du 3 quarts Skaven leak. Hein. Donc il a bien joué le coup. Là il commence à rameuter un autre coureur Skaven ici pour annuler les supports. Donc là il va avoir un 2D logiquement ici. Le coureur 3 de force qui arrive également pour marquer mon bloqueur tacle. Il tente une esquive qui passe. Un petit 2D qui touche sur Alberich de Bordelot. Bon, il me reste toujours une zone de tacle, mais bon, est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Hein. Allez, première esquive. Là, il fait un ramassage qui rate, donc sur un, il fait un 1. Par chance, on va dire que le ballon lui glisse des mains. Voilà. Donc deux relances en 2 tours pour Storm Raider. Hein. Il nous reste encore une. Première étape, on va déjà marquer le maximum de joueurs.
Je relève même la première ligne au fond. Je fais les replacements adéquats. Là, je me dis, j'ai commencé à bloquer ces trois quarts Skaven avec mes blitzers par exemple. Je poursuis pour mettre une zone de tacle ici. Je réapplique mon blitzer qui était isolé au fond depuis tout à l'heure. Là, je me dis, je vais tenter un 2D ici, on va tenter de l'abattre. Malheureusement, ça ne donne rien, donc je le repousse sur Storm de Carcaven. Donc oui, Storm Rider, son propre joueur ici. Et je remets une deuxième zone de tacle, on sait jamais. Et là, je marque son 3 Carcaven. Et là, avec Krug, je vais tenter de DPS un peu sa team, comme il a une châtaigne. Malheureusement pour nous, ça ne donne rien à ce moment-là. Donc la tour 3, il tente un blocage avec son 3 quarts, son vermine de choc, ça rate, pardon. Il tente une esquive, bon là tout passe, hein, les esquives en pagaille. Freewin qui tient bon face à ce 3 quarts Skaven. Là il tente de venir à 2D ici. Ça touche, Storm qui va finir par terre aussi. Mais Storm tient bon. Voilà, donc là il va tenter le ramassage à 4+, non même pas. Il tente un ramassage à... ça va faire à quoi, 3+ à l'heure. Bohemond Basson qui finit par terre, mais le chef tient bon. Et là il ramasse, et là il va pouvoir aller marquer rapidement je pense, donc félicitations. C'est pour ça que je donne l'attaque au Skaven là, parce que c'est tellement rapide. Arrêté, donc ouverture du score par le coureur d'égout. Lick sorti d'enfer. Donc son 3 quarts, donc il est déjà à moins 1, c'est ça qu'on va se dire. Donc là il va avoir le coup, donc maintenant ça va être à nous d'attaquer sur cette mi-temps. Donc là je me dis, je vais commencer à penser au DPS, donc les bloqueurs en première ligne pour taper au mieux. Voilà, on va essayer de récupérer ce ballon. Malheureusement, bah, il a une défense parfaite. Hein, voilà. J'ai fait un autre match la même journée. C'était le dimanche de mémoire. J'ai eu aussi une défense parfaite dans ma figure, mais bon. On va voir comment il va réagir. Heureusement qu'il n'a pas de garde d'ailleurs, ça que je me dis. Il a toujours un coureur d'égout en réserve, il a pas tort. Hein. Donc là tout de suite je mets une zone sur la balle parce qu'un coureur d'égout Skaven 4 d'agis, ça lui fait du 3+. Là je tente de pousser avec Freewind un coureur d'égout sur le côté pour tenter de le mettre dehors. Son coureur d'égout esquive glissade contrôlée, une vraie plaie celui-là. Je tente tout de suite de ramasser le ballon, je fais un 1 bien sûr. Voilà, je fais un 3, tant mieux. Là je tente les blocages indés vu que j'ai des blocs. Un qui est sonné. CG qui va tenter de taper le blodger glissade contrôlé, Stretch. Un deuxième blocage, hop. Alberich qui allume ses adversaires. Storm qui s'y met à son tour. Donc là, 3 effets dominants en action, mesdames et messieurs. Bon, ici ça ne donne rien malheureusement. Je décide de rester sur place avec Storm parce que le tacleur peut être utile. Il tente un blocage indé sur Cassion de Paravon avec sa vermine châtaigne, ça donne rien. Par contre, heureusement qu'il n'avait pas d'arrachage de balle en face, parce que comme j'ai aucune dextérité, je l'aurais eu dans le baba. Noseband de Kennen qui va se faire mettre à tête, mais il tient bon. Le coureur d'égout glissade, bloc glissade contrôlé qui arrive pour apporter un support au copain. Et là il va tenter de venir là je pense pour mettre une zone, une pression à un dé. Ah non là, ok. Pourquoi pas. Un dé ça touche, hein, voilà. Bon, heureusement Freewind tient bon ici. Et là il va tenter de nous presser, hein, il a raison. Donc là je décide à 3D de tacler, hein, de tacler son coureur d'égout là. Je suis un pot, pas besoin de tac, mais bon. C'est toujours ça de prix. L'armure qui passe sur ce coureur d'égout. C'est une sonnette, ça fait toujours plaisir.
Je décide de partir sur la droite parce que là, le gros de l'équipe Skaven est sur le flanc gauche et au centre. Donc là, je commence à faire les marquages. Je fais un peu un marquage en diagonale, on va dire. Avec Madness, je continue de bâcher. Madness qui met KO l'un des trois quarts Skaven solitaire. Donc ça fait un DPS en plus. Je mets deux cases ici pour tenter de rendre les esquives des cours des goûts plus compliqués. Storm qui va suivre l'exemple de Madness peut-être. Non. Mais qui arrive à quand même à le foutre dans l'embarras. Et là je rajoute un support ici pour tenter de taper le cours des goûts. 3 de force. Et je rapproche aussi mon blitzer, comment il s'appelle, Alberich, pour qu'il essaye de... de faire une petite zone. Et je tente un blocage qui fait double crâne avec un lutteur, mais bon, c'est comme ça. Donc on est tour 5. Bon. On est un petit peu mal embarqué pour le moment, même si on touche pas mal au niveau du bash. On a des PS 1, 3 quarts, 2, 3 quarts, c'est toujours pas ça de prix. Donc un qui est KO et un blessé. Donc là je fais exprès de mettre mon blitzer en position, ça va lui mobiliser un joueur. Comme j'ai un avantage de 2 joueurs, c'est un peu volontaire. Donc là il va se repositionner là je pense. Et il tente le 1D, bon, 1D qui touche tranquille. Storm qui finit KO à son tour. Voilà. Il tape son propre joueur, il est KO. Bah bravo, félicitations. Allez, il ramène quelqu'un d'autre. Donc là je commence à relever mes joueurs en priorité. Enfin j'ai oublié de relever mon lutteur au passage. Et avec mon blitzer Chiffre d'Artois, je commence à avancer. Je me dis j'ai encore 4 tours pour aller chercher l'égalisation sur cette mi-temps. On va aller la chercher. Là je tente un blocage sur le coureur 3 de force. Avec Cassion qui réussit son coup. Et je commence à renforcer la ligne ici. Donc là ici j'allume les supports ici. Avec Madness, je couche celui-là. Le chef va se rapatrier ici, je le mets en arrière, on sait jamais si la balle tombe ici. Et là je me dis je vais tenter d'avancer. Je poursuis les deux, je suis peut-être une erreur là parce qu'il peut me bloquer un dé. Mais bon, j'ai bloc. Noseband qui finit encore à tête, il se fait souvent toucher Noseband dans ce match. Tour 6. Donc là il peut libérer son 3 quarts. Et ici il va tenter quoi? Il va tenter de blitzer là, je pense, pour se replacer. Donc là, il va pouvoir me toucher à 2D, logiquement. Il fait un double crâne. Là, ça tient. Donc, à ce moment-là du match, tour 6, aucun de nous deux ne possède de relance. Un dépôt sur le blitzer, normal. Et c'est la blessure de la BH de Bordeaux. Donc là, je me dis que c'est un peu scandaleux. Et j'ai tout de suite claqué la potica, même si c'est qu'une commotion, j'ai besoin de tous mes blitzers là. Et là il va se barrer avec son autre coureur ici, il va marquer mon tackler pour pas qu'il le gêne. Là il tente une esquive au solitaire, pourquoi pas. Mais c'est un échec avec son 3 quarts. Turnover pour lui. Là je commence à avancer mon bloqueur, comment il s'appelle, Freewind de Langui. Là je marque ici pour faire un... Je progène un peu. Et là je me dis, là j'ai pas le choix, j'ai peut-être une opportunité en diagonale. Je blitz avec mon blitzer ici. Avec Cassion de Paragon qui va dégommer ce 3 quarts. Même si l'armure ne passe pas. Et je fais une pression pour éviter qu'il me gêne. Et là avec Chiffre d'Artois, je commence à me barrer tranquillement en diagonale. Donc je ne fais pas de GFI parce que j'ai plus de relance tout simplement. Je ne fais pas de 1D parce qu'un moindre crâne libérerait un joueur, tout simplement. Bon, là, il y a lui qui est libéré, mais bon. Donc là, il va pouvoir marquer. Là, ouais, il va marquer logiquement assez facilement, d'ailleurs. Donc là, il va avoir un 2D facile. Mais il fait un double crâne et c'est tant mieux pour nous.
Là, il n'y aura pas eu beaucoup de bol hein, sur certains de ces jeux pour cette première mi-temps. Donc là, je me dis, je vais tout de suite utiliser un 3D là, avec ce coureur d'égout. Je le poursuis pour le gêner. Et là, je me dis, je vais tenter de DPS avec Krug, avec sa châtaigne. L'armure saute, mais ça ne suffit pas, c'est qu'une sonnette. Mais bon, faire tomber le bludger qui sait contrôler, je me dis, c'est déjà pas mal. L'immobiliser un tour. Ça veut dire que Storm ne pourra pas l'utiliser pour la fin de son, la fin de cette mi-temps. Et moi, je me dis, je commence à avancer vers le TD. Je pourrais avancer encore une case, mais j'aurai un GFI à faire quoi qu'il arrive. Et je me dis qu'il y a un paysan derrière, c'est pas déconnant. Et là, ça va devoir obliger mon adversaire à faire des G. Sachant qu'il a plus d'Orient, je le rappelle. Donc il a juste un... Comment ça s'appelle? Un 3/4 Skaven de libre pour le moment, donc ça va. Là, il tente une esquive, bon là ça passe, mais il doit faire une autre esquive et malheureusement, bah, les coureurs d'égout ne s'en sortent pas. Et ça c'est cool, d'un autre côté. Donc là, je vais peut-être penser un petit peu à ma seconde mi-temps pour me faciliter les choses, je vais penser au bash. Même si j'ai plus de relance, j'ai des compétences quand même. Bon là, la châtaigne de Krug qui dort quoi pour cette première mi-temps. Bon, il a fait quand même des bonnes sonnettes. Et là, je me dis, je vais bâcher ici son 3 quarts avec mon blitzer Cassian de Paravon. Blocage qui proc. Et là, je me dis, je prends plus de risques. Je vais égaliser tout de suite. Et je égalise avec Chiffroid d'Artois, le seigneur de Bretonnie. Et le duc d'Artois, voilà. Égalisation à la mi-temps. Donc, plutôt une bonne mi-temps des deux côtés, je trouve. Même s'il y a eu un peu de malchance de part et d'autre, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Donc là il récupère tout son KO. Le nôtre c'est qui est KO? Je crois que c'est Storm ou c'est Madness, je sais plus. Ah c'est Storm. Ah bah dis donc Storm, t'avais pas envie d'être coopératif sur ce match hein, quand on te regarde. Bah bravo. Donc là je me dis j'aligne tout le monde pour tenter de marquer rapidement. Et on gagne l'événement surprise, donc on va gagner une case, ce qui peut être utile à ce moment de la partie. Donc une case par-ci par-là, ça peut faire la différence. Donc j'avance tout le monde. Je porte toute mon équipe à l'attaque, je me dis. Voilà. Donc là je commence à taper. Hein. Donc là je poursuis. La Madness va peut-être tenter de faire tomber ce 3/4 Skaven. Ça touche. Je mets tout de suite mon bloqueur ici en position. Je mets un autre blitzer en protection de la balle pour qu'il y ait une un ramassage à 4+. Et là, j'ai tenté de blitzer avec Krug, avec sa châtaigne, pour tomber les 3/4 Skaven. Ici, ça touche. Et ça blesse Krug qui enfin s'est échauffé. Donc là, il y a un 3/4 Skaven qui perd un point d'armure avec sa châtaigne. Donc là, je mets la châtaigne contre la châtaigne hein, pour essayer de le provoquer. Je touche également avec Nosborn. Cette fois, ça ne donne rien. Et là, je me dis, je vais quand même mettre une troisième sécurité parce que les Skaven, hein, c'est assez vicieux comme, comme race. Hein. Je ramasse tout de suite avec Chiffroid sur un 2+, donc là, je fais 6. Là, il va mettre tout de suite un deuxième support pour taper ma châtaigne. Une des grosses menaces de l'équipe. Krug qui est mis KO du coup. Bon, il a blessé quelqu'un, il se fait mettre KO derrière. Bon. Il y a un petit peu de justice, on va dire. Donc il commence à contourner avec ses coureurs d'égout. Hein. Il va tenter de marquer ma cage en arrière avec mon blitzer. Il fait un 1 sur le GFI, il relance avec son glissade contrôlé. Double 1. Ça c'est vraiment moche, mais bon. Ça fait partie du jeu. Heureusement pour lui, l'armure ne passe pas. Bon, je vais pas vous avouer que j'oublie un petit peu le fait qu'il ait fait un double 1. Hein. Mais bon, un coureur d'égout par terre, j'ai envie de dire, c'est une grosse menace en moins, quoi. Donc là, je commence à faire ma cage. Comme ça, là, je suis tranquille. Sijon qui se remue un peu pour aller supporter ses copains. Et là, je me dis, je vais tenter de taper un de ses coureurs d'égout.
avec mon tacleur, mais bon, le tacleur Nosborn fait la grève. Et là, je me dis, je vais venir vers les trois quarts Skaven pour apporter mon support. Freewin de Langui qui va tenter de taper. L'armure passe, mais ça ne donne rien, à part une sonnette. Je tente un blocage, c'est un petit peu risqué, malgré mon erreur de calcul. Sir Madness qui sort à son tour un autre 3 quarts Skaven. Bon, c'était l'autre solitaire. Bon, là, le Bash, on est plutôt pas mal. Hein. Deux blessures, un KO, c'est plutôt cool. Bon, lui, il a deux KO, il nous a fait deux KO quand même. Et là, il va devoir commencer à marquer avec ses joueurs qui restent. Blocage qui donne un pot. Bon, il a 2 dés, un peu logique, on va dire. Il marque aussi, il a raison. Hein. Et là, il va venir derrière nous pour nous presser un petit peu. Donc là, il y a un coureur sur 3 de force qui est ici. Bon, attention, il n'a pas blocage, lui. Hein. Il tente le 1D avec sa châtaigne. Je prends lutte pour éviter les dégâts. Il tente une nouvelle esquive avec son 3 quarts Skaven pour le replier ici. Voilà, le tacleur qui est toujours marqué par un joueur qui n'a pas esquive, hein, c'est toujours astucieux, hein, c'est pas faux. Là, je me dis, j'ai un 3D sur une glissade contrôlée, on va le tenter. Hein. Là, ça touche. Cassion de Paravent qui fait une merveille. Coucher le vilain rat. Là, je tente un démarquage. Je fais un double crâne, je me dis, oula, l'attention. Par contre, derrière, ça va. Mangazor 2 qui éclate son adversaire en face, mais ça ne donne rien. Là, je me dis, je commence à faire un marquage ici. Et je me taille avec. Comment il s'appelle ? Shieldfroid qui va essayer de mettre un doublé. Donc là, je fais exprès. Donc j'aurais peut-être dû le mettre ici pour avoir un 2D, mais bon. Donc là, les joueurs Skaven se relèvent. Donc là, l'esquive qui passe, normal, hein, de plus. Sans, avec relance. Hein. Là, il va tenter le 2D avec son 3 de force, hein, il n'a pas tort. Mais il faut faire un pot. Shieldfroid qui tient bon, grâce à l'esquive. Hein. Il fait un 1. Et il s'en sort bien, hein, sur la relance automatique. Il fait le 1D sur Nosborn qui touche. A chaque fois Nosborn qui se prend un D, il se fait quasiment toucher à chaque match. C'est assez affolant, à chaque fois. C'est assez affolant quand même. Donc là, je commence à marquer ses coureurs d'égout. Là, je me dis, je tente le blocage à 2D. Au pire, je l'aurais poussé. Je réussis mon blocage. Je me dis, je traîne pas. Je vais marquer tour 12 pour prendre l'ascendant. Shieldfroid d'Artois qui claque son doublé. Hein. Chaud patate dans la compétition. Je crois que c'est lui mon meilleur marqueur de mémoire. Faudra que je revérifie les statistiques. Je crois qu'il a au moins 5... Je crois qu'il a mis 5 ou 6 TD. Hein. Facile. Il en avait mis 2 contre Nerdfrog, 2 contre Storm. Il avait bien bossé, je me souviens. Donc 4 ou 5 faces. Je crois que c'est lui qui a mis la moitié des TD de l'équipe à l'heure actuelle dans cette compétition. Très bon joueur. Par contre, là, ce qui serait fou, c'est que j'ai un autre blitzer à J4. Là, mes adversaires en face, ils vont être fous, je pense. Avec esquive derrière, glissade contrôlée, tout ce que vous voulez, vous êtes bien. Donc là, on mène 2-1. Il nous reste quand même 5 tours à tenir. Et sachant que c'est notre dernier match, il y a aussi le bonus des autres points. Donc, il faut essayer de penser aussi aux points offensifs, quoi. Si on peut claquer un 3ème TD au Skaven, ce serait beau, quoi. Donc là, on a notre tour défense parfaite. Donc, on refait notre placement. Et là, vous allez voir que, vous allez voir qu'il y a un truc qui va vous choquer un petit peu, peut-être dans la défense. J'ai oublié de tout replacer, en fait. Tout simplement. Mais peut-être que c'était pas si idiot que ça de pas tout replacer avec ce misclick. Parce que ça aurait pu poser des problèmes. Il tente un blocage sur Alberich qui donne rien. Le Bohemond Baston qui se fait exploser la tronche, mais qui tient bon. Lui, Bohemond, il a juste mis deux. Je crois qu'il avait mis 2 TD contre Serge, il me semble. Attention à. C'est qui se fait sonner par la vermine de choc? C'est CG, bon, ça va. Il fait le boulot. Hein. Maintenant, c'est Madness de Montfort qui se prend une claque. Donc les deux pécores sonnés, bon.
L'un V bloc et l'autre non. Et la Storm qui est un petit peu. Qui doit se dire d'ailleurs, putain, j'ai eu chaud de pas être en première ligne. Parce qu'avec les deux sonnettes. Donc là, il va ramasser la balle tranquillement. Il va sûrement tenter la transmission pour arriver rapidement. Voilà. Par contre, là, je comprends pas. Pourquoi il le laisse pas au chaud? C'est ça que je comprends pas. Je peux comprendre qu'il a envie de marquer vite pour égaliser, hein, c'est pas le souci. Mais moi, personnellement, j'en verrais même pas un coureur d'égout isolé, quoi. Là, c'est un cadeau. En plus, là, l'armure, elle passe, et il se fait sonner. Et il se fait mettre KO, pardon. Donc là, j'ai pas compris à ce moment-là, Storm. Bah, si jamais tu regardes le replay, tu me diras pourquoi t'as fait ça. Bon, peut-être sûrement pour marquer vite. Mais moi, j'en verrais pas un. Peut-être si j'en avais eu deux de coureurs d'égout de libre, pourquoi pas. Mais un, c'est trop compliqué, quoi. Donc là, mon premier objectif, récupérer cette balle. Donc, on va la sécuriser notre position. Donc là, il y a déjà deux joueurs qui sont en train de protéger cette balle. Je réplique avec Chiffrod d'Artois, tout de suite. Donc je ramène un autre blitzer ici. Et là, je me dis, il faut que Krug continue à prendre des XP avec sa châtaigne, c'est toujours ça de prix. Donc là, cette fois, ça ne donne rien, bien sûr. Et là, je me dis, je vais essayer de mettre un support. Bon, là, c'était juste pour avoir le support à 2D avec l'autre lutteur. Je relance tout de suite, je me dis. Je fais 5, et là, je me dis, je tente le 2D sur la châtaigne. Enfin, là, c'est, en l'occurrence, c'est qu'un dé, d'ailleurs. Et c'est qui cause la blessure? C'est Mangazor 2 de Brayon. Jambe cassée, rate le prochain match. L'autre résultat, ligament arraché. Donc, normalement, Storm de mémoire avait un match contre, comment il s'appelle, Serge. Donc là, la châtaigne en moins pour Serge, ça va peut-être lui faire du bien sur Senor, je sais pas. Mais bon. Au moins, on a fait 3 sorties, plus les 2 KO, ça fait 5. Donc là, ils sont plus que 6. Hop, esquive et paquet qui réussissent. Et il va tenter le 2D, hein, il a raison. Double crâne, ça c'est dur. Il relance un dépôt. Enfin, un bludge pot, mais bon. Là, je peux comprendre, un moment, fallait qu'il tombe, hein, avec toutes les tentatives qu'il avait fait. Heureusement, on a encore un joueur sur la balle. Il tente une esquive avec un 3 quarts qui rate. Un 3 quarts solitaire en plus, KO. Donc, encore un Skaven qui va dans la fosse. Et c'est pas plus mal, moi il y en a mieux, c'est les Skaven, j'ai envie de dire. Pour moi, les Skaven, en termes de potentiel offensif du jeu, je pense que je les mettrais dans le top 3, rien qu'avec les 4 coureurs d'égout, quoi. Par rapport à d'autres équipes comme le. Enfin, je parle de potentiel offensif en termes de marquer des TD, quoi. Après, je pourrais mettre quoi comme autre équipe? Les Elfes Sylvains. Et. Avec leur receveur, bien sûr. Et les troisièmes, j'hésiterai entre les Elfes Pro, parce qu'ils ont quand même du mouvement, les Elfes Pro. Et j'hésiterai quand même avec les receveurs aux elfes, quoi. Mais même si j'ai une petite préférence pour les elfes pro, moi ils ont moins d'armure. Mais je trouve que les receveurs avec 8, ils ont 8 de mouvement de mémoire. C'est pas dégueulasse, quoi. Ouais, donc je dirais Skaven, elfes pro et. Skaven, elfes sylvain et elfes pro. Pour moi, le top 3 en termes de potentiel offensif niveau touchdown, quoi. Donc là, le bash qui se base bien, encore une blessure d'un Skaven. Je crois que c'est Krug qui a fait sa deuxième blessure cette fois. Donc là, ça veut dire que Storm, il lui reste 1. Il lui reste 1, 2. Il lui reste 3 joueurs. Là, je tente la passe avec Beaumont, je tente pas de bombe. La passe pour Cassion de Paravon. Et voilà, là, je me taille. Le seul joueur qui sera en mesure de me rattraper, c'est actuellement ce coureur d'égout là qui est encerclé. L'esquive qui proc. Esquive qui rate. KO également. Je me dis qu'à ce moment-là, je n'ai plus aucune menace. Donc là, je me dis, je vais éviter qu'il me fasse le coup du 3-2. Donc, ce que je vais faire, avant de. Je vais aller taper son coureur d'égout à 3 decks, tacle. C'est toujours ça de prix. Le tacle qui est utile ici. Nosebond qui met KO un autre coureur d'égout. Donc là, il se retrouve à. Un joueur. Il n'a plus qu'un joueur sur le, enfin, deux joueurs sur le terrain. Alors que là, je me dis, il me reste qu'un tour. Bon, je vais stall. Je stall tout simplement pour éviter qu'il me fasse un one turn. Qui pourrait tout relancer. Je me méfie. Il tente le moins 2D. Bon, regarde. C'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est Jiren qui remet à terre son adversaire.
sans tomber cette fois. Et là je me dis, bon, il n'y a plus rien, on va terminer ce match comme ça. Cassian de Paragon qui achève cette victoire très brillante sur le score de 3 touchdowns à 1 à l'extérieur. Donc, qui prend un nouvel up d'ailleurs. Donc on est plutôt content, quoi, parce que ce match, honnêtement, je le disais à Storm quand on discutait sur Discord, pour moi ça sera entre lui et moi que ça jouait la première place, hein. Je lui ai dit, avec son équipe qu'il a, elle est vraiment dangereuse, quoi. Mais je pense que contre Serge, normalement, il devrait s'en sortir. Bon. Après, Serge, on le connaît, c'est un bon joueur aussi. Attention qu'on est assez Norse. J'ai pas vu son équipe depuis notre dernier match. Il avait pris pas mal de dégâts à un moment. Donc voilà, on verra ce que ça donne comme ça. Ça va être intéressant. Donc cette fois, il gagne une relance pour son dernier tour. Est-ce que ça va lui servir? Malheureusement pour moi, le ballon va dehors. Donc il lui a donné son corps 3 de force, il a raison. Donc là il va commencer à me bâcher, donc CG va prendre pour son grade. Cette fois Man S qui tient bon. Ces paysans sont plutôt doués pour éviter le contact. Ah ça oui, ils sont très doués, Jim, tu m'étonnes. Et là il va tenter le 2D ici, bon il a raison. Mon gazer, je lui fais prendre lui pour éviter qu'il se prenne un coup. Avec mon coureur d'égout, je tente un truc. La passe au 3 quarts. Enfin, mais bon, il fait un truc, un petit jeu. Avec l'esquive à 5 plus. Mais bon, je lui dis un petit peu, c'est pas cool pour le joueur. Parce que il a quand même servi l'équipe, quoi. Et là, il y a Manes qui tente de récupérer la balle deux fois, mais qui se rate. Et voilà. Fin de ce match. Victoire 3 TD à 1. Donc, c'était un match un peu compliqué pour Storm. Surtout sur la seconde mi-temps, on va pas se leurrer. Au passage, c'est lui qui prend le level up, enfin le MVP. Comme quoi, ce match est un signe pour lui, je sais pas. Faites votre avis là-dessus. En termes de statistiques, on a quoi? Très peu de possession de balles. Il a fait une passe, une réception, 35 blocages, 2 KO, une blessure. De notre côté, 68% de possession de balles, 18% d'occupation du terrain. On a occupé 50% du terrain adverse, donc je pense que c'est en temps, je pense. 43 blocages, une passe, une réception à réussite. 43 blocages fructueux, 3 KO infligés, 4 blessures. En termes de yards de course, il en a fait 92, nous 130. 4 yards de passe pour 10 pour nous. Ok, bon, c'est pas. En termes de SP, bah, je crois qu'on s'est gavé. Hein. 5, alors lui, il en a fait 11 quand même, avec une blessure et un TD de son coureur d'égout, je sais plus lequel. Un coureur MVP et une passe de notre coureur d'égout. De notre côté, Storm de Carcassonne a fait le MVP. Voilà. Chilfroid d'Artois. 2 TD, une passe, 7 TE sur 7 points d'XP. Mangazor qui fait une blessure. CG qui fait une blessure. Krook qui fait 2 blessures avec sa châtaigne. Et Cassian qui marque son TD pour le level up. Alors, en termes de débat, il a fait pas mal de 1. Bon, il a quand même une bonne réussite sur les 5 et les 6. Ça, il pourra pas le nier. Par contre, je suis un peu curieux de voir ses GFI. Ah ouais, ses GFI, c'est vraiment pas ça. Hein. Il en a réussi 4, il en a raté 4. Les esquives, il y a un. Quoi qu'il est un petit peu en dessous. Enfin, je dirais pas qu'il est en dessous de ça. Bon, après, c'est que score d'égout, il a 83% de gens. Mais je pense que si on fait la moyenne de 67 et de 83, il devrait être à 75. Il est un petit point en dessous. Pour moi, ça serait la moyenne à faire. Après, approximative, hein, mais il doit être pas loin, quoi. En termes d'armure, ouais. Les solitaires qui ont pas proc. Les réveils de chaos, bon, il est au-dessus des stats, hein, largement. Solitaire qui a pas proc. En termes de dés de blocage, il a fait très peu de peau, pas mal de bousculades, crâne, beaucoup de crâne. Hein. Les deux au sol, ça va, et pas mal de poussées. Alors de notre côté, on a fait très peu de 1, on a eu pas mal de réussite. Bon, après, on a tenté moins de G que lui, peut-être aussi, parce que lui, il a beaucoup d'esquives avec ses coureurs. On a eu pas mal de 3, 4, 5, 6, donc ça s'est équilibré hein, sur la fin. Donc les 3, on était dans la moyenne avec nos stats d'AJ3. En termes de blessures, ouais. Les KO, on en a fait 3. On a sur 3 phases de KO, il y en a 2 qui sont revenus. Donc ça fait 66%, on est au-dessus. 2 esquives qui ont réussi, c'était les esquives avec Schilfreud. 6 ramassages, 4 qui passent, 2 qui ratent, donc 66% c'est la stat. Une passe qui réussit, une réception qui réussit, réception qui rate, ouais. Sûrement quand je ramasse et que je rate, je sais plus. Mettre le paquet, on en a tenté 2, il y en a un qui a raté, c'était celui de Mangazor, je crois.
un autre qui passe. Donc les GFI, ça a pété ça dans le match, hein. 50% des deux côtés. Deux sorties, une, ouais. En termes de déblocage, bah, 10 pots, 19 bousculades. Bon, il y a 4 joueurs esquives quand même. Pas mal de poussées. Quelques crânes et 2 au sol, ça va. Bon, en termes de classement, on est premier avec nos 3 victoires et notre match nul. Sur le papier, donc on devrait remonter, je pense, en D2 quoi qu'il arrive. Je pense. En revanche, il nous reste un match à voir, qui va se jouer entre Storm, comme je vous le disais, qui a 3 matchs, et Serge, donc Serge que vous connaissez, que c'est North. Donc là, ça va décider un petit peu si Storm peut être capable de nous shipper cette première place et d'aller en playoff. Donc quoi qu'il arrive, on remontera en D1, donc je changerai peut-être d'équipe. Si je suis qualifié pour les playoffs, évidemment, l'aventure va continuer avec les Bretonniens. Après ces 4 matchs assez satisfaisants, donc le petit regret que j'aurais, c'est mon avis, mais bon. C'était quand même le match nul contre Turtle, même s'il y a eu un bon 2-2 des deux côtés, et des beaux exploits de jeu de part assez d'autre. Mais voilà, j'étais quand même content de cette saison, quoi qu'il arrive. Voilà, donc je vais vous laisser là pour ce replay de match. J'espère que ça vous a plu quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.